Yoann, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Bon, on sait pas, hein, on sait pas, la jument, on n'a aucune explication, hein, elle avait... Elle était bien, oui, elle était bien au travail, donc on s'était très mauvais, on sait pas ce qu'il y a eu. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure et avec la manière. Oui, voilà, voilà, on a vu la vraie bomba aujourd'hui, comme elle avait... Comme à ses débuts, quoi. Mouvement dur, qui a de la vitesse. Bonne jument. À chaque fois, tu vas devant. Est-ce que elle est bien ainsi ou est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas prendre de risque de prendre des coups dans un peloton? Non, c'est une jument qui a beaucoup d'allure. Il faut laisser dérouler un peu à sa main. Tu n'as pas beaucoup de changement de vitesse. Puis bah, on nous laisse faire, c'est très bien. Hein, si... Oh, mais... Puis on roule hein, quand même, hein, 15, donc c'est un peu normal. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui descendent. Non, c'est bien, faut la monter comme ça pour elle, faut pas la contrarier. T'as des points de repère par rapport aux autres générations? Bombat, on en pense quoi? C'est une jument qui est simplement précoce ou elle va quand même bien vieillir? Non, je pense qu'elle va vieillir, c'est une grande jument qui n'a pas trop de force. Non, je pense qu'elle le fait parce qu'elle a un peu de classe, mais elle n'est pas forcément précoce. Patrick, ouais, le sac, c'est un peu clochard. Hein. Yoann, Franck du Titurgo, battu, c'est une déception? Non, bah là je m'en cours bien, je m'attendais qu'elle allait peiner dans ce terrain-là parce qu'elle est chargée en poids, elle a beaucoup de poids, elle a besoin d'un peu de poids, mais bon là aujourd'hui Fabrice a préféré assurer le coup, laisser les grosses cloches qu'on avait mis la première fois. Je pense que j'aurais peut-être fait 100, mais enfin bon, c'est pas très grave. Hein. L'important c'est que la jument court bien et elle a répété sa valeur. Non, je pense que c'est très bien.